Et donc on a construit autour du frêne. Et je vois Tonio arriver avec son plâtre et dessiner. Oui, ça c'est bizarre. Sur l'herbe. Philippe, il paraît que tu racontes sur internet que. Inutile de dire que quand le gars qui devait faire le terrassement, qu'on surnommait Sissi, qui était un homme merveilleux, auquel je rends grâce aussi, parce qu'il a joué le jeu. Il était cool. Il a adhéré au projet, alors que le mec, il faisait des routes, des machins, des terrassements. Il a adoré le projet. Et quand ils sont arrivés, il n'y avait évidemment pas les équerres, les machins, les trucs en angle, tu sais. Et là, on creuse où? Ben là. Et j'ai des photos de Tonio fumant son clope, regardant les mecs et disant là. Il y avait un cercle, enfin c'était trop rigolo. Et le gars, il a adhéré, il a vachement, parce que ça a été compliqué le terrassement. Compliqué, oui. Il fallait avoir une surface rocheuse suffisamment importante pour pouvoir appuyer la maison. Et il a fallu qu'on baisse le terrain. Donc on fasse péter du rocher. Qu'on rapproche. On se rapproche de l'arbre. Et du coup, on a pété sur 1 mètre de rocher. Ça a été dur ce jour-là. C'était très difficile. Mais le gars, il est venu le week-end faire du marteau-piqueur parce qu'il restait des rochers à péter, etc. C'était super. Là, il y avait vraiment, il s'est passé quelque chose. Quoi. Ça commençait très très bien. Ça veut dire que le plan. Les gens très bien. Le plan, sur le plan, il n'y avait pas le deuxième voile qui englobe. Le plan était fait. Mais le permis de construire, on a demandé à des copains architectes. Et. Il est bien, hein, d'ailleurs. Yves Perret a fait ça. Mais après, on a mis le truc dans un tiroir et puis moi, je n'ai plus regardé. Hein. Mais bon, l'esprit est là, quand l'esprit était là. Donc. Non, après, c'est une création au fil du ferraillage, on crée des trucs. C'est-à-dire que la première bulle correspond... même pas trop dans l'esprit un peu à ce qu'on voulait à peu près, mais on s'est adapté déjà parce que en faisant le terrassement on a trouvé un filet d'eau, une petite faille, et on s'est dit là il y aura des plantations dans la maison et c'est ce qui existe derrière la banquette, c'est sur la faille. Et à un moment on avait planté un arbre. Un ficus. Qui s'est développé. Je n'ai jamais arrosé le ficus. Et par contre, on l'a arrêté parce qu'il allait tout foutre en l'air. Quoi. Il y avait un arbre dans la maison. Dans la maison. Je me souviens, je l'ai vu, moi. Il était coupé il y a 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc les plantes sont naturelles dans la maison. Mais. Donc ça s'est adapté. Ah ben, le jour où les gars, il y avait une pelle, la grosse, la 40 tonnes, et ça fumait, comme on dit. C'est-à-dire que la pelle, elle ne peut plus rien faire. Hein. Ça fait et puis t'as une fumée blanche. Et j'ai dit, les gars, faut quand même descendre 20 mètres, quoi. Ouh là là. Il y a eu un flou. Le lendemain, ils ont apporté ce qu'il fallait. Hein. Dynamique comme ton copain un jour que ça n'allait pas quoi.
c'était trop haut. Parce que dessous, là, il y a du vrai granit. Ouais, c'est... Donc, c'était en même temps, je flippais, parce que quand on dynamite... C'est pas où. Ça secoue des gros blocs de rochers, après, ça déstabilise toute une zone, quoi. Donc, j'étais pas bien tranquille. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit... Le voile travaille quand même. Le voile travaille parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a des blocs qui ont été déplacés mais d'une façon infime et qui retrouvent petit à petit leur place et ça crée des tensions dans le voile. C'est pas grave, mais bon, ça m'inquiétait ça. Oui, ce matin, ton copain Jean-François nous a expliqué qu'un jour, le premier jour qu'il s'est servi de la dynamite, le gars lui a dit... Sur le chantier, le gars lui a dit, tu en mets un tiers. Oui, mais lui, c'est un spécial. Et puis lui, il a dit, on va essayer un peu plus. Hein, Il adore. Et en fait, ça fait un cratère. Non, mais...